Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est avec tout le respect pour mes abonnés ou bien pour mes fans de Mbeng que je fais cette vidéo et je précise, ne m'envoyez plus ce genre d'images et ne me parlez plus de ces histoires. Je suis fatigué de sensibiliser mes frères sur ces risques. Et continue encore. Je dis encore, j'ai parlé aussi parce que j'ai parlé encore. Parce que vous m'avez beaucoup supplié. Vous m'avez trop mis la pression. Je parle pour une dernière fois. Samedi 8 avril, il y a eu deux convois de 49 personnes. 49 Camerounais. 35 sont décédés. Noyés. Ces histoires de Boza que vous prenez, vous. Je ne sais même pas quoi dire. Vous engagez pour mettre vos familles dans les problèmes. Vous êtes responsable. Ne dites plus après qu'on ne vous avait pas dit. J'ai dit, je parle ça maintenant pour une dernière fois. J'ai d'abord parlé, j'ai présenté les corps la dernière fois. Mais ça n'a pas empêché que les gars prennent toujours ce chemin. Et ce que je voulais préciser, il y a des gars qui sont arrivés au désert. Tellement c'est difficile pour eux de continuer. Ils se sont transformés en coupeurs de route. Les images sont incroyables. Je vais mettre juste le son et on va écouter ça ensemble. Je dis, c'est horrible. L'image est insupportable. Vous allez mettre, je vais mettre seulement l'audio accompagné des images de ceux qui sont décédés et vous allez comprendre seulement le son et le traitement en audio. Vraiment, chers jeunes, faites très attention. Écoutons ensemble. Ok. Mon frère, tu n'envoies pas l'argent. Je parle à celui qui est en France et s'il n'envoie pas l'argent. Tu n'envoies pas. On va envoyer l'argent. Il parle à celui qui est en France. Il n'envoie pas l'argent. Il n'envoie pas. Il va envoyer quand? Voilà. Il va le compléter. Bon, prends le. Enlève les mains. Tu vas envoyer l'argent, bien tu n'envoies pas. Je vais envoyer. Voilà. C'est le moyen. C'est le moyen. C'est le moyen qui compte comment? Tu peux appeler ta famille. Baisse la main. Baisse la main. Baisse la main. Baisse la main. Moi, mon père, il ne connaît pas mon père depuis que je suis né. Où est le plastique là? Ma maman a une fille. Ma maman a une fille. Baisse les mains. Retire la main là. Retire ça. Pardon. Pardon. Retire, retire. Pardon. Retire. Regardez même la main. Pardon. Ceux qui veulent les images, prenez-moi et bébé, vous donnez ça. Si vous voulez les images, si vous voulez ce que le traitement qu'on a encore fait à ces, qu'on a encore fait à ces enfants là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Beaucoup perdent leur vie comme ça. Ils pouvaient m'arrimer juste parce qu'on les kidnappe en route. On demande les rançons. Tu ne donnes pas. Les gars, je ne sais pas ce que vous partez chercher à Mbengo. De toutes les façons, je crois que j'ai accompli ma mission. Vous m'avez trop supplié de présenter ça. J'ai présenté. Et c'est la dernière fois. Je dis bien, c'est la dernière fois. Alors les gars, partagez la vidéo. Partagez les vidéos parce qu'il faut que les jeunes regardent cette vidéo. Vraiment, l'histoire de Boza devient très grave. Très, très grave. Bonne soirée à tous. Prendre soin de ses proches restés en Afrique. Savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille.